Viewers de Jurassic, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved pour mon grand retour officiel aujourd'hui. Eh bien, c'est le retour sur la survie. Je vous avais laissé pendant un petit moment, j'étais parti en semaine vacances et puis il n'y avait pas eu de vidéo Ark. Mais l'aventure continue. À toutes celles et ceux qui en ont douté, nous reprenons ensemble cette aventure Ark. Et aujourd'hui, nous allons avoir énormément de choses à faire. Il y a pas mal de choses qui ont changé et on va passer à la vitesse supérieure afin d'être plus puissant et de s'imposer sur l'île The Island dirigée par ces dinosaures. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer qu'il va y avoir un giveaway sur la chaîne. Vous pouvez dès maintenant y participer dans les commentaires. Je vous explique comment ça se passe. C'est le magnifique site d'hébergement Osterfy, avec qui je suis partenaire, qui m'a proposé de faire ce superbe giveaway. Donc vous avez pas mal de petits prix pour un seul gagnant sur la chaîne. Vous pouvez participer en commentaire. Les résultats seront affichés ce week-end. Mais qu'est-ce que vous allez gagner si vous êtes le grand gagnant? Eh bien pendant un mois, vous aurez un hébergeur gratuit, un serveur gratuit du coup, que ce soit sur Ark, Minecraft, Garry's Mod ou CSGO. Donc c'est quand même génial, un mois de gratuité totale pour pouvoir jouer avec vos amis ou même créer un serveur pendant un mois, c'est gratuit avec une superbe offre et puis c'est de la RAM dédiée, c'est de la qualité. Vous aurez aussi une paire de lunettes de soleil, hein, pour bronzer, pourquoi pas, c'est sympathique. Et à la longue, vous aurez une réduction de moins 30% sur des produits de Osterfy. Je précise qu'Osterfy, c'est vraiment de la qualité. Le site va être affiché à l'écran en description. Voilà, vous aurez la possibilité de gagner ces petits prix, enfin ces gros prix même. Moi perso, si on m'avait proposé ça à l'époque et que j'avais joué et que j'avais gagné, j'aurais été très content d'avoir un serveur Minecraft, rien que pour moi par exemple. Donc voilà, vous pouvez participer simplement dans les commentaires en mettant je participe. Le tirage au sort serait effectué en fin de semaine, donc ce week-end certainement, ou la semaine prochaine tout au plus. Il sera affiché publiquement sur la chaîne, tout le monde a sa chance, le gagnant sera montré publiquement, voilà, il n'y aura pas de triche ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez participer, c'est maintenant, et je vous conseille d'aller voir Osterfy, ils font vraiment des offres et des prix qui défient toute concurrence. Voilà, voilà, c'était l'aparté, mettez je participe si vous avez un PC, parce que c'est pour ceux qui ont un PC, une connexion internet. C'est bon, on est ok, let's go. Alors la dernière fois je vous avais laissé après avoir capturé ce magnifique Térésinosaure, mais je dois vous avouer que j'ai beaucoup joué en hors ligne sur une partie avec un ami, et donc du coup eh bien je me suis grave amélioré, et quand je regarde cette base elle me fait un peu pitié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un aller-retour pour aller chercher du fer, les amis, très important, on en a maintenant du fer à la maison. On n'a pas beaucoup, j'en ai récupéré 135, j'ai fait quelques allers-retours avec le petit pteranodon. Alors c'est simple, pour aller chercher le fer, il faut que j'aille de l'autre côté là-bas, je vous montrerai peut-être. C'est dans la grande forêt, vous voyez là où il y a l'arbre qui dépasse là-bas? Hop, toup. Voilà, juste ici, eh bien il y a des récoltes de fer, suffit de taper sur des minerais de fer. C'est un petit peu dangereux parce qu'il y a plein de créatures méchantes par là-bas, mais bon, le voyage s'est fait à chaque fois sans encontre. J'ai fait, sans encontre, je ne sais même pas si je dis, j'ai fait plusieurs allers-retours et j'ai réussi à ramener 135 qui va nous permettre d'avoir la selle du magnifique Térésinosaure. Il a pris un petit niveau, voilà, boum. Il est à 2000 PV, ce qui est quand même pas mal, il est assez massif. Alors, tout d'abord, on va arrêter les conneries, on va aller voir dans la table de craft. Je vérifie, et je m'étais dit que je me donnais tous les engrammes, donc je vais le faire. Voilà, donc la selle de Térésinosaure, les amis, elle est où? Elle est ici. Alors il nous faut 55 lingots de métal, donc on a 135, ça devrait aller. 285 pots, ça par contre il va falloir que je vois 120 bois et des fibres. Alors dans mes coffres j'avais de la peau, des fibres, tout ça, donc il nous manque certainement quelques pots et juste un tout petit peu de bois. 120 quand même. Il nous manque 55 pots et du bois. Eh bien, c'est parti. Mais avant toute chose, les amis, on va passer à l'âge du fer. Donc, on va se faire une armure. C'est en métal plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Et puis aussi des éléments. J'avais récupéré une pioche, mais on va aussi se faire une hache, les amis. Voilà. Magnifique. Et puis, on va se faire une armure full fer. Oh, ya, 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 ya. Regardez-moi ça. Cling, 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 cling. Cling! C'est parti mon gars! On va briller full métal! Et on a même pris un niveau! Regardez-moi ça! Waouh! Ce style à la Mad Max à la limite! Je pourrais me voir un moment entier. Non! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oula! 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 Non, 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 ne me suivez pas! Je me suis trompé de touche! Je voudrais me voir juste en entier pour kiffer! Waouh! Ouais, c'est pas tout de suite le même niveau! Le rendu est beaucoup mieux! Et puis surtout, c'est mis à part la classe. Regardez mes petites bottes et mon petit futal. Mis à part la classe, je vais être beaucoup plus fort. Donc ça, c'est très bien. Bel avantage. Et puis surtout, hop, je récupère cette hache.
Là, les haches en pierre, tous ces trucs-là, c'est fini. On abandonne l'idée. Je veux plus en entendre parler. Voilà. Et il nous faut quoi? Il nous faut du bois pour la selle du Thérésie. Ok, on a fait tous les allers-retours. Normalement, on a assez pour la selle de Thérésie. À moins qu'il manque encore quelque chose. Ah, les engrammes sont encore partis. J'ai quitté une seconde. Et voilà, ils m'ont retiré mes engrammes. Alors, Thérésie. C'est où? Oui, les pots. Les pots. J'avais oublié. Alors là, il nous en manque carrément 100. Quoi? Mais j'étais sûr d'avoir... presque tout. Bon. Et bah, il va falloir que je retourne chercher un petit peu de peau. Je vais pas tuer un iguanodon quand même. Où est-ce qu'ils sont les petits? Ah, je suis fatigué. Où est-ce qu'ils sont les petits dodos? D'habitude, je trouve des dodos partout, mais là, j'en trouve pas. Ça me fout toujours le seum de. C'est quoi ces bruits? Ah, des compis! Bonjour. Veux-tu bien crever? Merci. Parfait. Ça va nous en faire plusieurs en plus. Voilà. Oh, j'ai gagné un niveau. Eh bien, dis donc, ça progresse vite ici. Je sais pas à combien de multiplicateurs d'XP je suis, mais ça va très vite. Hop, un petit peu de vitesse. Oui, oui. Tu es magnifique. Ah, ok, c'est bon, on peut rentrer à la maison normalement. J'ai tué un parasaur juste avant. On devrait avoir assez de peau pour pouvoir faire la selle du Thérésie. Donne-moi tout mon coco. Oh la vache, tout ce qu'il a en ressources. Faut vraiment que je revoie ce multiplicateur. J'ai l'impression que je reçois trop de ressources d'un coup. Ça va être trop simple sinon après. Alors, Thérésie. C'est juste ici, la selle. Bam, badabam. Rah, je me demande ce que ça va être sur le Thérésinosaure. En tout cas, il est énorme. Ça va être juste parfait dans le coin. Personne va pouvoir me faire chier. Je vais atomiser toute forme de vie. Waouh, après avoir allumé cette torche, il est encore plus impressionnant. Bonjour, comment vas-tu? Maintenant, je vais te mettre la selle. Et encore un petit point d'évolution. Waouh, il est vraiment violent là. Par contre, il a 200% de dégâts. Alors, ce coco, il est assez rapide. Waouh, c'est vraiment une bête de guerre. Regardez-moi ça. En vue à la première personne, on se rend même pas compte, mais là, on est à 5 mètres de haut. Je pense que je peux atomiser toute forme de vie qui est dans les parages. Comment il récolte? What? 293! Oh! Mais il récolte tellement salement! Il récolte tellement salement les fibres et les trucs! Eh mais ça va plus du tout, moi. Va vraiment falloir que je baisse ce multiplicateur d'XP. J'ai l'impression que je gagne beaucoup trop d'XP trop vite. Après, sinon, ça va être trop simple. Bon, on va en profiter juste pour cet épisode et on le réduira à 2,5 pour l'épisode suivant. Pour pas que ça soit trop. Et au niveau de la récolte, c'est pareil, regardez-moi ça. 629 de bois. Non, non, mais faut que je change ça. C'est de la folie. Et il a encore gagné un niveau! Non, ok, je vais changer ça parce que là c'est un truc de dingue. Je vais le mettre en x2,5, ça devrait aller parce que je suis tout seul, voilà. Re, enfin. Alors j'ai changé normalement tout ça, ça devrait être beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne, je vais le vider de ses ressources pour voir. Alors jette-moi tout ça, mon beau, parce que t'es pas prêt de porter autant de ressources. Et fracasse un arbre pour voir cette fois-ci. Mais what? Mais il en gagne déjà beaucoup trop. Mais soit c'est un excellent récolteur de bois, soit il y a vraiment un problème parce que j'ai baissé les ressources et j'ai mis en x2. Donc bon, écoutez, on va faire avec et je vérifierai les paramètres un petit peu plus tard, parce que là c'est quand même beaucoup de ressources d'un coup, je trouve, hein. Allez, viens Coco. Wow, il est quand même un peu flippant quand il suit. Allez Coco, viens. Quand on se met à run. Run. Waouh! Il arrive derrière nous en mode... Non, par contre, ça, t'es pas très fut-fut. L'entrée, elle est juste ici, s'il te plaît. Voilà, viens. C'est bien. Allez, maintenant, pas bouger. Voilà. On a du bois, on a plein de choses. Aujourd'hui, les amis, comme objectif, maintenant que nous sommes full fer, ça serait bien, bon, déjà, d'allumer une torche, parce qu'on y voit que dalle, mais surtout d'aller apprivoiser d'autres dinosaures pour passer à une nouvelle ère, comme je l'ai dit. Du bois, s'il te plaît, donne-moi ça. Donc je propose, les amis, d'apprivoiser éventuellement des gros tanks ou même des prédateurs qu'on pourrait voir sur la rive, histoire de se préparer pour des futurs voyages. Est-ce que je peux allumer la forge? Parce que là on n'y voit que dalle. Bon, je vais juste mettre un équipement là-dedans. Voilà. Et on va aller voir dans le ciel. On devrait y voir un peu plus clair. Waouh. Oh my god. On y voit directement la montagne enneigée d'ici. Voyez ça, les amis. Un jour, faudra qu'on y aille. Oh là là.
Ouh, ça me fait un petit peu froid dans le dos, et c'est le cas de le dire, parce que là-bas, il doit faire sacrément froid. Alors, on va attendre qu'il fasse jour, je pense, avant de tenter d'aller apprivoiser quelque chose d'autre. Et ce que je voudrais faire, c'est un test avec notre Terizy, parce que je pense que vous avez tous envie de le voir en action. Parce que bon, ça fait une tonne de fois que je dis qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est magnifique, qu'il est puissant. Mais il y a un moment... Aïe! Ces barrières sont petites. Il y a un moment donné où il va falloir le mettre à l'épreuve. Je vais lui faire prendre encore un petit level de dégâts. Oh! Ils sont où? Ils sont les Triceratops. Oh, là-bas devant, regardez. Il y a des petits gars là. Eh oh, t'as un problème avec moi? T'as un problème avec moi? Bon, je crois qu'ils avaient pas trop de problèmes avec moi finalement. Faut vraiment que je retrouve la commande pour mettre le jour parce qu'on y voit que dalle là. Hop, et boum. Et voilà. Les yeux éberlués des téléspectateurs peuvent apprécier cette journée magnifique qui se lève sur l'île. Ok. Les amis, premier gros test pour notre Terizy. Attaque! Oh! Oh! Ah! Attention! Il a pris extrêmement cher. On l'a défoncé en 2 secondes. Le deuxième, c'est pareil. Oh là 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 là. On en parle de la vitesse à laquelle on les a atomisés avec le Terry. Il a encore pris un niveau. On en parle de cette vitesse? C'est juste insane en fait, genre, va falloir se calmer là. C'est moi le boss, ici personne ne m'impressionne. T'as un problème toi, je te dégomme. T'as un problème toi, je te dégomme. Oh regardez cette saloperie de méduse. Oh! Ils sont en train de se fight ou quoi? Les deux mégalodons. Je peux là, du tatane c'est mort. Presque. Ah! Ah tu bouffes! Allez boum! Je sais même pas ce que j'ai récupéré. C'est quoi qui se tatane dans l'eau? Attendez, je vais le siffler en passif. Reste là, Coco. Si je me fais agresser, c'est pas grave. Oh! Ils s'entretuent! Ah non, ils agressent une pauvre tortue! Cours, petite tortue, cours! Mon dieu! Non! La pauvre tortue! Franklin! Oh, MG! Franklin! Mais tu te rends compte ce que tu fous dans l'eau en même temps, Franklin? Je peux pas aller l'aider, là, Franklin. Oh là là. Eh, vous rapprochez pas trop de moi, les gars. J'aime pas du tout ça. Parce que de derrière, ça... Ça donne ça, tu vois. Moi, je suis tout petit. Je suis une mini-fiante. Franklin. Franklin, tu vas t'en sortir. Non, il s'en sortira jamais, Franklin. Mais il bataille. Il est mort. Rip Franklin. Et moi, j'étouffe. Oh, oh, pas par là, pas par là, pas par là. Fouh. Alors, les amis, je dois vous avouer que cette bête me fait de l'œil. Ça s'appelle un Diplodocus. Ça ne met aucun dégât. Mais ça a un taux de PV. Ça soulève toute concurrence limite sur l'île. Niveau 28, si on l'apprivoise, ce sera très simple, on peut l'apprivoiser tout seul et ça sera un sac de PV qui nous permettra éventuellement d'aller apprivoiser d'énormes bêtes. En plus, il est très rapide. Bon, seul problème, c'est que sa selle est très dure à faire. On va revenir voir ce joli Coco. Tu nous suis pas, j'espère, Coco. Non, non. Mange tes trucs, mets-toi bien. C'est pas la même chose que le brontosaure qu'on voit là-bas parce que le brontosaure, en plus de ça, il met des dégâts. Lui ne met aucun dégât, je le répète. Il repousse juste, c'est un gentil pépère, voilà. Mais en revanche, il a encore plus de PV que le salaud qui est devant là. C'est juste énorme. Donc on va rentrer à la base. Tiens, tu vas me suivre toi, Coco. Et on va aller chercher des flèches tranquillisantes. Et on va se le faire. On va attraper un petit Diplodocus. Je crois qu'en plus, vous me l'aviez conseillé dans les commentaires. Viens, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, ici, a-t-on de quoi faire? Ah, c'est vide. Bon, je prends juste ça. Est-ce que j'ai des narcoberries quelque part? Je crois pas que j'en ai. Est-ce que t'as des narcoberries sur toi? Bah non, évidemment, faut tout avoir, mais les narcoberries, ça sert à rien, bien sûr. Ah bah toi aussi! Très bien. Bon, on va aller chercher des narcoberries avec mon parasaur. Je vais mettre plus de poids, plus de vitesse. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Il a pris plein de niveaux. Parfait. Allez, viens, petit pépère. On va chercher des narcoberries pour pouvoir apprivoiser l'autre patapouf qui est sur la rive. C'est bien, 13 narcoberries, 25. Ouais, allez, on continue, 54. Ça sera peut-être pas suffisant parce que l'autre, il a besoin de beaucoup de flèches dans sa grosse tête. Allez. Allez, c'est bien. C'est bien. Parfait. Bon, là, on est presque plein. Mais au moins, on a 107. 107 narcoberries. Suis-moi mon pépère! C'est reparti, on y retourne! On est en mode speedrun, c'est ça qui est bien, c'est que sur mon serveur, enfin sur ma map plutôt,
J'ai une récolte qui est très bonne. Comme ça, pas besoin de se prendre la tête à faire énormément de farm, parce que comme je joue exclusivement en vidéo en ce moment... Alors, juste ici, les narcos et la viande pourrie. Est-ce qu'il y a de la viande pourrie quelque part? Il est passé où, mon par hasard? Eh oh! Ah, t'es là, tu m'as fait peur. Tiens, viens, rentre dans la base. Rentre dans la base, mon chou. Oh là là, il écoute rien! Rentre dans la base, j'ai dit! Et on va faire masse de médecine! Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des flèches. Oh, je me rappelais pas que j'avais autant. Nice. Bon, bah, du coup, si j'ai autant, ça me fait 100 flèches. Là, avec ça, ça m'en fait 28. Il y a un problème. Ah, il me manque des fibres. Oui, évidemment, évidemment. Mais c'est pas grave. On a Dédé. Il est où, Dédé? Il est de l'autre côté, qui a plein de fibres sur lui. Oh, un petit singe. Alors, cette fois-ci, je le laisse pas se barrer. J'ai des fibres sur moi. Les trucs... Non, vite, 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 dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Donne-moi tout ce que t'as. Ça, 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 il y a du choix, ça, ça. Voilà, parfait. On y retourne. Petit singe, viens. Faut que je m'accroupisse. Je m'accroupis. Il faut peut-être mettre un truc dans la dernière truc de l'inventaire, je crois. C'est comme ça, regardez. Regardez. Bonjour, petit singe. Bonjour, petit singe. Non. Non, 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 non. Et merde, il a eu peur. Bon, ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Calme-toi, petit singe. Calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Bernard, va falloir commencer à arrêter de courir quand même. Ah. Tiens, bouffe. Arrête-toi, arrête-toi. Il s'est arrêté. Je vais donner. Mange, mange. Ah, attendez jusqu'à ce qu'il ait de nouveau faim. C'est un chieur en plus, lui. Eh oh, petit singe. Regardez-moi ce cul qui se dandine. Allez, accepte mon Alzulberry. Oui, voilà, parfait. On a notre petit bébé. Regardez comme il est chou. Bonjour. Bonjour. On va la ramasser. Je sais pas comment on le relâche après. On l'a sur nous là, je crois. Oui. C'est beaucoup trop bien. Alors par contre, qu'est-ce que je fais pour le relâcher? Je fais comment? Parce que là, je veux bien, mais il y a un moment donné. Imaginez que je meurs ou qu'il y a un blème. Je suis censé faire comment en fait? Vous m'expliquerez ça dans les commentaires parce que là on va rester avec le singe. Bah, mais qu'est-ce que tu fous chez moi toi? Le singe coincé sur l'épaule. Bon, on a tout normalement. Tu te rends compte que tu me casses les reins là? Tu te rends compte avec ton gros cul que t'es en train de tout écraser là, que tu fais un bruit pas possible? Voilà. Mais regardez, il vient de faire caca, il me respecte pas, c'est pas possible. La vitesse de tame, je l'ai vraiment mis en accéléré parce que dans Ark, c'est un enfer. Pour ceux qui vous disent, ah, ça y est, j'ai tame, c'est bon. Sans avoir multiplié, ils viennent d'attendre 24 heures. Hein. Vraiment, attendre dans Ark, les vitesses de tame en fonction de du level du dinosaure, c'est limite des fois attendre 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures. Si tu veux tame un énorme dinosaure. Donc moi, je suis pas là pour attendre 25 ans. Je suis là pour jouer et m'amuser et puis vous faire du contenu. Donc si jamais... Bah ça va vite, bah c'est normal. J'ai mis le multiplicateur sur plein de trucs pour qu'on puisse profiter d'une aventure ensemble et que ça aille vite, que ça soit smooth, agréable. Faudrait que je me fasse une gourde par contre parce que là ça devient l'enfer. Un coup j'ai la dalle, un coup j'ai soif. Il est où ce diplo? Bonjour monsieur le diplodocus. Monsieur le diplodocus, j'arrive. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il est gros mais ne vous inquiétez pas, il est pas dangereux. Il n'y a même pas la musique qui s'anime. Ok, on lui a déjà mis 4 flèches. Je crois qu'il faut attendre 3 secondes entre chaque flèche. 1, 2, 3. C'est ce qu'un abonné m'avait dit dans les commentaires. 1, 2, 3. Soleil. Oula, oula. Il est quand même imposant. 1, 2, 3. Soleil. Parfait. Regardez la taille du bébé. 1, 2, 3. Soleil. Tu vas prendre combien de flèches avant de tomber, mon gars? Parce que là, ça fait quand même presque une dizaine. Ok. Faut pas que je le ramène à la maison. Non. Hop. Dans ta grosse tête. Ça fait un peu plus d'endormissement je crois. J'ai pas envie de te blesser. Va falloir tomber à un moment donné. Ah mais arrête de venir chez moi. Tombe malheureux ou fuis. Fais un truc là. Si je le ramène trop près mon Thérésie va le bouffer. Je vais bien tomber mon gars s'il te plaît. 2, 3. Soleil. Si je suis trop près je vais changer mon passage. 2, 3. Soleil. Ok, on tourne, 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 on tourne. Mip, mip. Par là, mon petit père. 2, 3, soleil. Il s'en va, il fuit.
2, 3, soleil. 1, 2, 3. Diplodocus. Allez, on l'a bientôt, je le sens. Wow, il essaie de me repousser. Hop, retoucher. Mais combien de flèches il va lui falloir à lui? Mais tombe, Zigoto, il me reste plus que 11 flèches. Attention à pas toucher le Triceratops. Hop, retoucher. Regardez-moi sa grosse tête. Hop, dans ta tête. Mais il ne tombe jamais, c'est une catastrophe. 3, soleil. Tu veux bien tomber un jour, s'il te plaît, Pépé? Allez. Quoi? J'ai cassé ma putain de... d'arbalète. Je suis dans la merde. Je suis officiellement dans la merde. Comment je fais un arc? C'est pas fini. Mais j'ai carrément cassé mon arbalète. J'espère que l'arc va suffire. Oui, continue de me suivre, mon coco. La suer. Il va me repousser là. Ah, oh oh. C'est pas les bonnes flèches, espèce de couillon. J'ai gagné un niveau, mais ça, on s'en fout un peu. Me repousse pas. Attention, petite flèche. Hop. Allez. Hop. Mais tombe, Didier. Hop. Combien il lui faut de flèches? 40 ou quoi? Hop. Mais toujours pas, mais c'est une folie. Hop. C'est quoi qui vient m'agresser? C'est rien. Allez. Dernière. Non, c'était l'avant-dernière. Tombe. J'en ai plus. J'ai mal calculé mon coup. J'étais sûr qu'il allait tomber dans les pommes. Bon, ok, c'est pas fini. Mais c'est une folie, ce mec. Il ne tombe jamais, je lui ai mis 40 flèches tranquillisantes, que le gars, il en a rien à foutre. Ok, plus vite je ferai l'aller-retour, plus vite je pourrai revenir, son degré de torpeur ne sera pas descendu. J'ai grave merdé, j'étais sûr que j'allais le mettre KO avec 30 flèches. Mais il est très gros, le pépère, il est très gros, il s'en fout, lui, des flèches. Ok, cette fois-ci, j'y retourne avec 29 flèches, j'en ai déjà mis pas mal, je pense que son degré de torpeur n'est pas totalement redescendu. J'avais testé une fois, dans un apprivoisement avec un terrible spinosaure. C'était il y a quelques temps. Et justement, quand j'étais parti, eh bien, son degré de torpeur n'était pas redescendu. Quand il m'a vu, il est parti en courant. Alors qu'un spinosaure, vous imaginez bien la taille du truc. Quand il voit ma tête, normalement, il s'en fout. Et bien là, figurez-vous qu'il était toujours un petit peu endormi. Donc, j'imagine que son degré de torpeur n'est pas trop redescendu. Et qu'on devrait peut-être l'avoir avec une trentaine de flèches. Ok, Pépère, est-ce que tu te rappelles de moi? Je ne sais pas. C'est reparti. Musique épique, let's go! Ok, bim! Première flèche. Bon, je vais pas tirer à côté parce que faut surtout pas que je me loupe. Deuxième flèche. Ok. Troisième flèche. Ok, j'ai soif mais c'est pas grave. Quatrième flèche. Ok. On va attendre entre chaque flèche. 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tombe mon coco. Tu feras partie de la famille après. C'est moi, il s'en va un peu. Non, il s'en va pas du tout, il en a rien à foutre. Allez. Tu commences à sentir la fatigue qui monte. La fatigue. Oh, il m'a repoussé, bon ça va. Aucun dégât quasiment. Faut que je me foute la gueule à l'eau, j'ai une soif terrible. Ouais, en plein milieu de mon apprivoisement, moi, j'ai soif. Allez coco, c'est pas fini. Eh ben maintenant j'ai faim. C'est moi, il s'écarte là. Ah, tu commences à t'en aller. Ça porte ses fruits. Il va tomber. Il a fait caca. Ah non, c'est moi qui ai fait caca. Il va tomber, il s'en va vers la forêt. Allez, tombe. Allez, le gros bébé. Il va faire un gros somme. C'est moi qui te le dis. Allez. Il va bientôt tomber, les amis, on le tient. Eh, c'est du solide là qu'on est en train d'attraper aujourd'hui. Allez mon coco, arrête de résister, ça sert à rien. À la maison t'auras la paix, tu pourras manger ce que tu veux. Il y a des champignons, des fleurs, de tout ce que tu veux. Il y a même des petits arbres à débrousser. Voilà, encore une ou deux je pense que ça devrait être bon. J'en ai plus que cette façon là, ça commence à être la merde. Mais en fait regardez-moi ça, il est en train de mourir. Ça serait... Ah! Yes! Je vous avoue que j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, il va finir par crever si ça continue.
Et il est vraiment très blessé. Regardez, il est à moins de la moitié de sa vie. Et pourtant, il a 2700 PV. Il a presque le double de mon Terry, les amis. Le seul truc, c'est qu'il fait aucun dégât, mais c'est un super tank. On l'a enfin, on a réussi. Cette grosse prise, les amis, c'est bien. Commence à manger, vous voyez, ça va extrêmement vite. 13%. On va s'occuper de toi. Regardez-le. Il est enfin tombé. Il a fermé ses petits yeux. Regardez. Il est tout mignon. Il est tout ensanglanté. Par contre, le pauvre, j'espère que ça va bien se passer pour lui. 26%. C'est bien, c'est bien. Moi, je vais m'occuper des narcoberries pendant ce temps. Regardez, je suis sur lui en entier. Tellement il est gros. Eh ouais, c'est moi qui l'ai dompté. Vous allez faire quoi, hein? Bon, ok, il était gentil. Il m'a juste mis des petits coups pour me dégager. Mais quand même, c'est bien. Mange, mon chéri, c'est bien. Mon ou ma chérie, d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Alors, c'est une femelle, ma chérie, alors. Regardez-moi ces grosses patounes. Il est juste énorme. On a réussi à l'avoir avec le temps et l'acharnement. Sa queue est archi longue. Regardez, je suis tout au bout de sa queue. Et c'est un 10 places, c'est-à-dire qu'on peut mettre 10 personnes dessus plus le conducteur. Il est énorme. Bon, là, personne va jouer avec moi, mais c'est vraiment énorme. Oh là là, mon petit chou, il est tout blessé. On va le ramener à la maison en chair et en os. Il va être magnifique, les amis. Ça va être vraiment génial. Oh yeah! C'est bon, on l'a. Alors on le renommera après avec le nom d'un abonné ou d'un VIP. Oui, tu es magnifique. Alors, niveau santé, eh ben la tour régène. Bon, bah, nickel. 3740, mais c'est... 3740, mais c'est abusé. J'ai 200 PV pour vous dire. J'ai 200 PV. Regardez, même pas, 180. Et toi, t'en as 3740. Allez, suis-moi ma cocotte. Niveau 41. Waouh, regardez comme elle est rapide. Cours. Allez, go, 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 go. Oh, pardon, monsieur. Go, 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 go. Direction la maison. On a une nouvelle invitée de marque. Elle va nous suivre dans nos aventures. Oh, je vais te traviole. C'est chiant, là, vu à la troisième personne sur ce jeu. Allez, viens avec moi, ma chérie. Tu vas défendre la maison avec les autres. Avec ton fort taux de PV. Tu vas prendre les dégâts pour nous si tu en as... j'allais dire si t'en as envie, non, t'as pas vraiment le choix, hein. Tu vas nous servir de tank, mais on va bien s'occuper de toi, t'inquiète pas ma chérie, t'inquiète pas. T'aimes bien la nouvelle maison? Ouais, ouais, ton long cou te permet de voir à travers. Regardez-moi ces beaux petits yeux bleus. Oh là là, attendez, on va l'observer de plus près. Bonjour. Oh là, je vois carrément... Oh. Regardez-moi cet œil, ce gros œil de Diplodocus. Waouh, belle bête. Prochain épisode, on ira peut-être tamer un truc énorme. Genre, je sais pas, un gros monstre puissant qui fait vachement peur à tout le monde. Enfin, voilà, voilà. Et surtout, en hors-cam, les amis, je vous préviens tout de suite, je vais aller farmer le fer comme un fou pour avoir du bon stuff. Et on va agrandir la maison peut-être dans le prochain épisode et aller chercher enfin une créature digne de ce nom. Je veux un gros, gros carnivore. J'en ai envie. Vous en avez envie, je suppose. Eh ouais. On va aller en chercher un dans le prochain épisode. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ça faisait longtemps, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite de cette série magnifique sur Ark. Je vous invite à checker la chaîne si vous êtes nouveau et à vous abonner. Tous les extraits TikTok donc viennent de cette vidéo magnifique parce qu'on va faire plein d'extraits. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à prendre un VIP Team Jesper. Je serai en live samedi, donc typiquement peut-être aujourd'hui à 21h si la vidéo sort samedi. Sinon c'est demain si elle sort ce soir à vendredi donc. Et qu'est-ce qui se passe? Hep, 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 hep. Tiens, très bien. Non, 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 Pternodon. Non, Pternodon, toi, passif, du con. Oh, purée, ça commence à être la merde, ça commence à être la merde. Viens, là. Personne t'a dit d'aller te battre. Toi, tu restes dans le coin. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça à cause d'oiseau. Tout ça à cause d'oiseau. Faut que je le siffle passif, lui. Passif. Toi, par contre, t'es neutre. Fais ton job, toi, t'étais... Tu te rends compte qu'il y a un trou du cul qui a commencé à nous... Voilà, fais ton job. Défonce-lui, c'est mort. Tout le monde est dessus. C'est la panique. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, tu l'as dans l'os, Lichornis. Allez, merci à tous. C'était Jesper en direct de Ark. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures.